Salut tout le monde, c'est Steven. On se retrouve avec Half-Life 2. Et on va prendre d'assaut ce bâtiment là-bas. Avec seulement 4 personnes. Enfin, dont moi. Hein. Aïe! En plus, il y a ce rayon qui vient de l'espace. Donnez-moi vos munitions! Passer par là. Tout le monde rentre. C'est bon tout le monde? Allez. Ah, ça va, je pensais que ça allait être compliqué, mais non en fait. Il suffisait de rusher et puis. Et puis ça se faisait tout seul. Toutes ces grenades. Désolé, Doc. Oh, des tourelles. Allez-y, vous avez votre combi CEH. Moi, je m'occupe de la console de sécurité. Ah. Oups, désolé. Faites rouler une fenêtre si vous en reste. Ça fera l'affaire. Ah, rouler avec clic droit, non? Mince. Oui, oh, comme tu dis, ouais. Mais reste pas dedans. Voilà. Attends, je vais chercher d'autres grenades. Bip bip. Waouh. Oh, regardez-moi cette jolie perspective. Très jolie. Oh oh, des vaisseaux. Ils vont descendre par le toit. Si on veut passer au travers des boucliers, on doit détruire les générateurs un à un. Je suis là, mon pote. J'aurais pas dû activer cette tourelle parce que du coup ici on va avoir affaire à d'autres trucs plus importants. T'as dit quoi? T'as dit Geman? C'est ça que t'as dit? Eh, dans les commentaires, dites-moi si c'est bien ça qu'il a dit, s'il a dit Geman. Parce que si c'est le cas, c'est important. Pour la storyline. Oh, oh, attention, il y a des gens. C'est bizarre comme intérieur. Je pense pas que ce soit l'intérieur originel de ce bâtiment. Je pense que ça a été redesigné. J'ai plus beaucoup de vie, oups. J'ai pas un médic avec moi. Ah. Vous restez là. Ce sera parfait. Vous bougez pas, je vais désactiver les tourelles. Vous ne bougez pas. Vous ne venez pas avec moi. Voilà. C'est ça que je vais désactiver donc. On commence par celui-là. Bon ben, et de 1. C'est dommage.
On va sur le toit, ils occupent le toit. Toi, toi, mon toit. Mais pourquoi je peux pas passer? Mais reste pas dans mon chemin. Sinon tu vas là-bas en premier, hein. C'est pas grave, hein. Tu te feras tuer. Mais... Ok, j'ai pas l'impression que ça arrive par là, donc je vais désactiver ces... Enfin, cette tourelle, parce que j'en vois pas l'autre. Wow, wow, wow. Je suis juste venu prendre des munitions. Hein. Vous n'étiez pas obligé de venir, vous. Ça veut dire... Arrière. Bande de résistants. Attention. Wow. Vu le système de sécurité, quelque chose doit valoir le coup. Allez-y, Doc. J'attends que vous l'ayez éteint. Oh, bon sang. Puzzle de saut, de parcours à moitié. Il y en a un aussi dans Half-Life, le premier. Il était dur. Tu l'as perdu. Trop compliqué. Il suffit d'enregistrer souvent. C'est bon? Ouais, ça m'a l'air bon. Tu dois par là. Je vais par le milieu peut-être parce que là si je saute il va y avoir ce laser-ci qui va être gênant. Oh, 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 oh. Doucement. Ici, passer par là. Allez, allez, yes, parfait. Tout est activé. Attention aux mines. C'est tout ce qu'il y avait, attends. Ah, on a accès à cette salle maintenant. Je peux désactiver ça. On n'a plus qu'un seul là-bas. Plus qu'un générateur. Yep, plus qu'un générateur. Par où on passe? C'est bloqué par là. De repasser par cette salle-ci maintenant qu'il n'y a plus tous les lasers. Wow, wow, wow. Qui fait ça? Les blancs sont assez coriaces, hein. Y a quoi là? Des grenades, je crois que j'en ai encore. Non, j'en reprends quand même au cas où. Ah non, j'en ai plein. Faut des munitions peut-être? Merci. Y a pas d'autres, non.
Ouvre-moi, Gordon. J'entends des combines, mais je sais pas où ils sont. What? On est cerné. Derrière moi, plus personne derrière moi. Pourquoi ça lag comme ça? Mais ils font le tour comme ça. Dès qu'ils en ont rien à foutre. Y a quelque chose derrière, non? Utilisez les mines contre eux. Ça marche. Allez-y, entrez. Ici, non, c'est bon. Ils sont en train de dessouder la porte. Je pourrais juste les poser par terre, mais j'ai envie de les relancer à la tronche. C'est plus efficace. Voilà, vous voyez? Vous voyez que c'est efficace. Mets-toi en place! Putain. Elle est où? Elle s'est pas bien mise droite la mine quand je l'ai lancée. C'est dommage. Ça aurait pu être joli. Bon, vous restez là. Vous restez là. Je bouge pas d'ici. Voilà, c'est bien. Mais Barnet. Oh, Barnet. Pourquoi t'es chiant, Barnet? Tu viens toujours là où il faut pas. Ça y est, ils sont détruits. Ça coupe aussi le champ de suppression sur le toit. Ok, on fait quoi? Cherchons le toit maintenant, Gordon. Allez. Cherchons le toit. Toi, toi, mon toit. Où est-ce qu'il y a le toit? Par là, peut-être? Non, c'était là où j'étais tout à l'heure, ça. Oui. Il y a des restes de combine tout partout. Le toit. Ah. Ok. Je sais pas si vous avez vu le tir secondaire. C'est bon, je l'ai. T'approches pas, idiot. Munition. Oui, bah une seconde, je recherche ma combinaison. Et puis on va s'arrêter là en plus, parce que ça fait 15 minutes, presque. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il y avait plein d'actions, c'était bien. Et sur ce, chut, tais-toi. Chut. Tais-toi. Et on se retrouve au prochain épisode pour prendre d'assaut le toit, apparemment, comme Barnet en a très envie. Donc voilà, à plus.